Pour commencer, bah écoutez, je vous remercie d'accueillir pour cette première table ronde Jérôme Parzy, qui travaille chez Gaxio Ingénierie. Merci, bienvenue Jérôme, installez-vous. Merci de les accueillir. Léonard Guitny de Geomensura. Bonjour, bienvenue. Paul Nativel de Théol Ingénierie 3D. Bienvenue. Alain-Henri Bellec de l'IDREAM, qui nous expliquera dans quelques instants de quoi il s'agit. J'accueille aussi, non pas Guillaume Vray, qui est avec nous malgré tout, mais son collaborateur Gilbert Millard, qui est consultant AEC chez Alplan. Installez-vous. Bienvenue. Alors, vous avez chacun un micro. Ne le lâchez pas, ne le partagez pas. Voilà, tout simplement, ça ne va pas être compliqué. Mais alors, vous voyez deux autres visages sur cette slide. En effet, nous avions également prévu d'accueillir et de partager le témoignage d'Hervé Albou, de Novimage et de Lionel Henry Esri France. Eh bien, malheureusement, on va quand même les avoir, mais pas en présentiel. On a réussi à se connecter. Ils ont une contrainte personnelle, mais on va les retrouver quand même tout à l'heure. Ils sont en train de nous regarder sur le live stream, hein, comme tout le monde. On peut leur faire un petit coucou. On va se connecter avec eux via une application de visioconférence. Donc, malgré leur absence physique, on va quand même pouvoir profiter de leur témoignage. Alors, je vais commencer cette table ronde quand même par une question assez basique malgré tout, parce que dans la salle ici sont représentés des représentants de toute la filière construction. On a des gens qui sont de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études de l'ingénierie dans diverses disciplines. On a aussi des entreprises. On a aussi les ingénieurs et futurs ingénieurs des écoles. Bienvenue Polytech. Hein. On vous fait un petit coucou également à vos camarades qui sont en train de nous suivre sur YouTube. Première question, j'ai envie de vous la poser à vous dans un premier temps, puis on fera un petit tour de table. Jérôme Parzy, déjà, présentez-vous, dites-nous ce que vous faites chez Gaxio Ingénierie et le BIM infrastructure, finalement, de quoi on parle, hein, on va faire un peu de premier... pardon. C'est votre choix. Vous pouvez enlever le masque ou le conserver. On a essayé de faire des choses qui soient assez distanciées. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Parzy et je suis responsable des études de l'Hérault chez Gaxio et accessoirement en référent BIM. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites, votre rôle au sein de Gaxio, finalement, donc, référent BIM, ça veut dire quoi? Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est d'essayer de développer le BIM chez Gaxio, de trouver les meilleures méthodes pour appliquer le BIM et le développer ensuite, trouver les bons logiciels, trouver les bons partenaires, et pour pouvoir ensuite essayer de répondre à des appels d'offres BIM quand ils se présenteront. Alors en quelques mots, pour vous, le BIM infra, si on devait le définir en une phrase ou deux, c'est quoi? On va faire le même exercice avec tout le monde, parce qu'on a des expertises différentes, hein, on a de la chance d'avoir une richesse d'expression aujourd'hui, on est là aussi pour croiser les points de vue et monter un peu, prendre de la hauteur sur le sujet. Donc le BIM infra, effectivement, le BIM, on en entend parler beaucoup en bâtiment aujourd'hui. C'est de plus en plus répandu chez les architectes, mais effectivement, comme le rappelait Thierry Gaxieux, on est peut-être un petit peu plus à la traîne au niveau de l'infra. On essaye un peu de raccrocher les wagons pour pouvoir rattraper le temps perdu. Et en fait, le but, c'est de produire une maquette numérique, une maquette BIM, mais à l'échelle d'une route, à l'échelle d'un projet d'assainissement, à l'échelle d'un projet d'eau potable, par exemple, et pour pouvoir ensuite le corréler à une maquette numérique plus importante, d'un projet plus important, bâtiment, avec un architecte, par exemple. D'accord, merci. Léonard Guitny, vous êtes consultant technique chez Geomensura. Oui, alors, bonjour. Bonjour. Votre rôle, donc, dans un premier temps, Geomensura, c'est quoi et vous y faites quoi? Donc, Geomensura, pour ceux qui ne connaissent pas, on est éditeur de logiciels donc, dédié à l'infrastructure dans le groupe Géodésial, c'est notre spécialité. Donc, moi, qu'est-ce que je fais chez Geomensura et pourquoi le BIM Infra, ça me concerne? C'est que j'accompagne nos clients en fait, qui traitent des projets. Pour les acclimater au BIM ou pour les perfectionner au BIM ou pour répondre aux attentes et aussi recueillir de l'information pour faire évoluer les outils, comme le disait Jérôme juste avant. Il y a besoin de faire des choix techniques, d'avoir des nouveaux outils de modélisation et tout ça pour s'inclure dans le processus global et donc de casser un peu aussi les frontières bâtiments-infrastructures, donc comment on peut mieux interagir
entre les, bah, voilà, les bâtiments et les infrastructures notamment. Donc tout ça, c'est un petit peu mon rôle, pour faire simple. D'accord. Donc, pour résumer, BIM infrastructure, en une phrase, vous l'avez déjà un peu fait, mais si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, ou qui connaît un peu le BIM, mais pas les infrastructures, vous lui expliqueriez en une phrase comment ? En une phrase, c'est... oui, on va creuser après, hein. Ça serait peut-être intégrer les routes, les réseaux dans un processus d'échange global entre personnes et mieux comprendre en fait et mieux exploiter au final tout ce qui nous entoure en fait. D'accord. Intéressant avec vos deux premiers témoignages. On a une version tournée vers les données, etc. Et on a parlé d'échange entre acteurs. Voilà, on est un peu sur les deux piliers du BIM déjà. Merci Paul Nativel. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Paul Nativel, vous comment dire, Théo l'ingénierie, présentez en quelques mots s'il vous plaît, et puis ensuite même exercice. Le BIM infra pour vous, comment vous le résumeriez ? Bonjour à tous. Donc Paul Nativel, bureau d'études. Mettez bien le micro près du menton. Merci. 3D. Donc spécialisé dans toute la partie fluide, électricité, réseau. Donc on travaille à la fois sur la partie, on va dire réseau VRD et liaison avec l'infra. Et sur la partie également bâtiment. Voilà. D'accord. L'infrastructure, le BIM, on va beaucoup dire BIM infra. Hein. Excusez-moi, maintenant, je commence à être un peu expert du sujet. Hein. Je vais me la jouer un petit peu. Le BIM infra, hein, pour le résumer en quelques mots. Le BIM infra, pour moi, c'est un petit peu l'aménagement du projet du maître d'ouvrage qui va graviter autour du projet du maître d'ouvrage pour venir après derrière développer toute la partie intelligente, on va dire, du projet futur. Et l'évolution vers la Smart Cities. Voilà. La Smart City, la maîtrise d'ouvrage, voilà. Des compléments d'informations intéressants, parce qu'on va parler de tout cet écosystème-là tout à l'heure. Merci beaucoup. Alain-Henri Bellec, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, l'IDRIM, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, je suis administrateur de l'IDRIM, en fait, de par la Synov. Hein, Synov est un des 59 participants à l'Institut de développement des routes, des rues et des infrastructures de mobilité, l'IDRIM, qui a aujourd'hui 11 ans, hein, qui a été créé en 2009 par l'État, les collectivités territoriales, en particulier les départements, et aujourd'hui métropole et EPCI, et aussi donc l'ingénierie et l'ensemble des participants aux infrastructures. Et donc le rôle de l'IDRIM, c'est de coordonner l'action de ces différents intervenants et de parvenir à éditer des règles ou du moins des suggestions, des guides de bonne conduite pour développer les choses. Et sur le BIM, qui intéresse en fait tous les intervenants de l'IDRIM, notre volonté a été d'essayer de faire un peu de pédagogie et de simplification, parce que bon, nous sommes acteurs du MINE, mais c'est quand même un peu trop technique. Et si l'approche qu'on a eue à l'IDRIM, c'est de se dire, si on veut que ça se développe et puis qu'on ne fasse pas du BIM pour dire qu'on fait du BIM, il faut que, je dirais, l'ensemble des décideurs puissent avoir une bonne conscience de ce que ça peut apporter. Et donc, en particulier, sur ce que disait tout à l'heure Paul, sur la Smart City. Alors oui, alors on ne va pas avancer trop vite, mais merci déjà pour cette définition un peu approfondie. J'ai entendu Mind aussi, on ne va pas développer tout de suite, on y reviendra beaucoup après, le Mind. Enfin, Gilbert Millard, rebonjour. Alors, Guillaume Vray m'a dit tout à l'heure, Arnaud, écoute, il n'était pas dispo au démarrage, etc., mais c'est vraiment quelqu'un qui est encore plus expert sur le BIM infra que moi. Il faut que ce soit Gilbert qui intervienne, donc merci, hein, merci Guillaume. Donc, Allplan, rappel de Allplan, quelle est votre activité ? Alors bonjour, Gilbert Millard. Oui, j'ai intégré un éditeur de logiciels dans le domaine de l'architecture, donc de l'ingénierie génie civil. Et là, du coup, mon rôle aujourd'hui, c'est business developer, donc sur la partie IAC, architecture, ingénierie et construction. Mm-hmm. Et dans cette démarche, en tant qu'éditeur, notre rôle, c'est de vous inquiéter des besoins clientèles pour pouvoir réaliser ces missions autour du BIM. Et ce qui est intéressant d'entendre là déjà donc, sur cette table ronde, c'est cette définition qui est le BIM.
Alors le SIG, parce que je viens un peu de cette école, comme vient du SIG, le système d'information géospatiale, pour moi était déjà les prémices du BIM, l'information connectée donc à de la donnée géométrique. Et je me rends compte que, quelque part, ce SIG avait besoin de se connecter au monde de l'architecture et au monde de l'ingénierie. Et notre rôle, à travers, je dirais, nos solutions, c'est de connecter un petit peu tous les acteurs donc, du marché et faire en sorte que l'on puisse dialoguer avec beaucoup de facilité et beaucoup de précision et beaucoup d'efficience pour pouvoir réaliser nos missions. Et bien sûr, l'objectif étant le côté financier, si vous voulez, comme bien de nos missions, c'est de faire en sorte que les projets soient de qualité et le moins cher possible, bien entendu. Donc voilà. Alors, en tant qu'éditeur, merci de jouer le jeu, parce que c'est pas la première fois qu'Alplan joue le jeu, partenaire du Rex BIM Tour. On va aussi parler de l'interopérabilité. C'est un sujet qui fait un peu hérisser les poils dans le dos des professionnels en général, mais à chaque fois, on a des réponses très intéressantes sur ce sujet. On l'abordera tout à l'heure avec l'ensemble de nos intervenants. Tout à fait. Merci beaucoup. On va entrer maintenant sur une question quand même. Bon, on a compris globalement quelle était votre vision du BIM dédié à l'infrastructure notamment. Maintenant, j'ai envie de poser une première question. On va creuser un petit peu Léonard Guitny. À quoi ça sert finalement? Quels sont les enjeux du BIM infrastructure, que ce soit pour des donneurs d'ordre, pour les professionnels, pour un projet global finalement? Je ne sais pas si j'aurai les réponses. C'est toujours qu'une vision de toute façon. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises, aux bureaux d'études qui vous posent ces questions-là? Déjà, un des premiers enjeux, c'est rien que la communication, rien que le visuel, même si on fait de la 3D depuis longtemps, mais un de ces premiers enjeux-là, c'est ça. C'est mieux se comprendre. Après, il y a l'enjeu, c'est mieux comprendre le projet, mais mieux se comprendre entre nous. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important entre celui qui va faire de la canalisation, celui qui va faire du bâtiment. Donc ça, c'est un argument supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir la projection du projet directement, et puis ça va faciliter les échanges, en plus d'avoir des supports, comme on entendra peut-être parler de BCF, d'avoir des nouveaux processus pour échanger sur la problématique donnée et qui nous semble réelle avec la maquette. Alors, quelle est la différence entre ce que vous venez de dire là? Moi, j'ai envie de dire, ça vaut pour tout type de BIM, finalement. Pour les infrastructures, est-ce qu'il y a des différences fortes, des spécificités supplémentaires? C'est votre spécialité, l'infrastructure, donc. C'est vrai qu'on a tendance à opposer un peu BIM bâtiment, BIM infra. Moi, je pense qu'autour de la table, on sera d'accord que c'est le même processus, mais avec des activités différentes regroupées. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on a... On va retrouver quel type d'activité autre qu'on ne trouve pas dans le bâtiment, par exemple? Rien que les voiries, on est aussi sur un modèle plutôt horizontal qu'un bâtiment qui va être sur un modèle vertical. Donc on a des spécificités comme de la signalisation, de la sécurité, d'autres types de réseaux, plutôt alimentation ou alimentation du bâtiment. Donc l'un ne peut pas vivre sans l'autre, puisque si on crée un bâtiment, il doit être desservi par de l'infrastructure. Puis inversement, on ne va pas faire une route pour faire une route si elle mène nulle part. Donc dans cet esprit-là, je trouve que c'est beaucoup pour la communication inter-ingénierie et avec le public. Et après, plus dans le détail, effectivement, sur l'exploitation maintenance, mais qui est encore, je pense, un peu au balbutiement en termes de BIM proprement parlé, puisque avec le SIG, on était déjà sur des modèles d'exploitation, mais il faut réussir à regrouper tout ça. D'accord. Jérôme Parzy, quelles sont selon vous les spécificités liées au BIM infrastructure, justement? Si demain, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît un peu le BIM, c'est quoi la différence finalement? On a parlé d'autres métiers qui viennent se greffer, d'une approche plus globale et horizontale. Alors aujourd'hui, moi, le BIM, je m'en sers, je dirais pas tous les jours, mais j'en sers assez souvent, en fait, déjà dans un premier but de contrôle de dossier. En fait, en niveau conception, ça nous permet de contrôler plus facilement un dossier en trois dimensions, de voir s'il y a des erreurs de clash, etc., des problèmes d'interconnexion entre réseaux, par exemple. Donc c'est déjà une première approche qu'on peut avoir. Et en fait, et effectivement, comme le disait Léonard, c'est un formidable outil de représentation graphique à destination des maîtres d'ouvrage. Ça leur permet d'appréhender un objet en trois dimensions, puisque nous, on fait des plans qui sont représentés en deux dimensions. Donc l'objet BIM, la maquette numérique, nous permet de rajouter cette troisième dimension, ce qui permet aux maîtres d'ouvrage de mieux appréhender son projet dans l'espace, dans le futur.
D'accord, très bien. Paul Nativel, vous nous avez parlé de Mind tout à l'heure. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, hein, on en a parlé, beaucoup d'entre vous, vous êtes nombreux à m'avoir cité Mind. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Et du coup, ça répondra en partie à ma question finalement, le BIM infra, quelle spécificité, pourquoi on le différencie, en tout cas on en parle spécifiquement par rapport au BIM bâtiment, et quels sont les enjeux? On va commencer à avancer un petit peu sur les enjeux. Qu'est-ce que Mind et ça sert à quoi? On va dire qu'au niveau de la, au niveau des enjeux par rapport à l'infra, on a une véritable, je dirais, conception de maquette numérique de la ville complète, en fin de compte, de toute la partie rue, de toute la partie environnement et aménagement urbain, qui va permettre derrière de faire, on va dire, des simulations aussi bien de flux que de pour les voitures, pour les personnes, pour les voilà. Donc ça va nous permettre, on va dire, derrière, d'anticiper un petit peu toutes les problématiques qu'on peut avoir, et aussi venir derrière sur toutes les données qu'on peut arriver à remonter de cette maquette numérique pour pouvoir gérer à la fois la partie exploitation maintenance et tout ce qui suit à ce niveau-là. Alors Mind, quel rôle joue Mind? Qu'est-ce que c'est déjà, hein, deuxième fois que je vous pose la question. De quoi s'agit-il? La partie Mind, je l'ai pas évoquée. Non, bah, c'est plutôt avec vous. Pardon, excusez-moi, Alain-Henri Bellec, qu'on va aborder le sujet. Excusez-moi, hein, j'ai fait un switch, comme on dit. Hein. Donc la partie Mind, pardon. Mind, c'est en fait un programme de recherche, hein, qui, je pense, est managé par l'IREX, hein, qui est un institut de recherche. L'IREX. L'IREX. Hein. Et donc Mind a été mis en place, ça doit faire déjà 6 ou 7 ans. On en est à 2 ou 3 prolongements, et puis de manière à trouver, une écriture commune du BIM pour les infrastructures. En bâtiment, ça, c'est quasiment abouti. C'est fait, ça, pour le bâtiment aujourd'hui. Pour le bâtiment, c'est fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, les objets, leurs définitions, ouais, les données qui sont connectées, enfin qui sont liées à chaque objet, c'est ça. C'est pas le cas aujourd'hui encore. C'est pas du tout le cas. C'était D'accord. pas du tout le cas pour les infrastructures, et donc il faut développer tout ça. D'accord. Avec le problème, c'est qu'un bâtiment, si on prend ce bâtiment ici, ben, on en fait assez vite le tour, et on voit, bon, il est fini. Si on prend les routes et rues de la Grande Motte, ça devient plus compliqué. Et on va faire intervenir tout un certain nombre de personnes et d'organismes qui ont leur mot à dire dans l'infrastructure. C'est-à-dire les services de voirie, en effet, qui est créateur de la voirie, mais aussi tous les réseaux. À la fois les réseaux d'assainissement, mais les réseaux EDF, France Télécom, et des choses comme ça. Et tout ça doit parler de la même chose et être capable d'échanger, puisque le BIM, c'est bien ça, c'est qu'on ait une facilité d'échange. Et pour ça, l'infrastructure partait de loin. Hein. Alors c'est vrai que le SIG avait déjà commencé à mettre les choses dans la même base de données, mais après il faut arriver à traiter ça et y injecter par exemple un nouveau projet. Comment un nouveau projet s'intègre? Alors c'est à la fois vrai pour une ville, et là encore on se dit bon, bah oui, c'est la Grande Motte, c'est grand, mais c'est fini. Mais si vous prenez A75, là vous avez 600 km d'autoroute et pourquoi pas un BIM. À ce moment-là, vous imaginez bien ce que ça veut dire en termes de matériel, de data et de choses comme ça. Quoi. D'intervenants aussi. Sur une autoroute concédée ou non concédée, il y a moins d'intervenants que dans une ville. Hein. Mais c'est vrai que sur une ville, c'est relativement complexe. Donc c'est ça, c'est cette recherche qui est fondamentale, qui est faite par Mind, et qui, en plus, et doit être international, puisqu'il y a des échanges. C'est un groupe national ou international? C'est national. Mais travaille avec les autres pays d'Europe, avec les États-Unis, pour que tout le monde choisisse. Alors, moi, je ne suis pas informaticien. Alors, je ne sais pas, c'est les IFR ou choses comme ça. IFC. J'arrive. J'arrive tout de suite. C'était prévu, hein, d'ailleurs. Donc, merci. Donc, en effet, on a parlé des données. On a parlé des objets aujourd'hui.
Dans le BIM bâtiment, finalement, les éléments sont a priori bien définis, spécifiés. Un objet dans une maquette BIM bâtiment, on peut lui associer des données, plein d'informations, finalement, qui vont être intéressantes pour les différents acteurs. Ce n'est pas le cas dans l'infrastructure aujourd'hui. Alors, je m'adresse spécifiquement à Alplan, parce que je sais qu'Alplan aussi participe aux travaux de Mind. Alors, j'aimerais apporter aussi ma petite contribution sur cette compréhension du BIM infra et BIM bâtiment. Effectivement, dans le domaine du SIG, quand je parlais de géométrie, donc on n'avait pas forcément une notion de catégorisation des objets, donc identifier donc une voirie, identifier donc enfin tous les éléments possibles qu'on peut retrouver mobilier urbain sur une route. Ce qui a apporté cette différence dans le monde du bâtiment, c'est qu'on avait besoin de franchir une deuxième étape, qui était de rationaliser la compréhension justement des données qu'on générait donc dans un plan. Et voire même cette partie 3D accélérer un petit peu cette marche de compréhension, qu'on dirait des intentions de conception. Ça, c'était le point que je voulais vraiment souligner. Aujourd'hui, dans le monde de l'infra, donc dans le BIM de l'infra, le vrai sujet et qui est assez complexe, c'est le volume d'informations que l'on doit générer. Donc on parlera donc du coup du big data avant de parler donc d'intelligence artificielle, d'éléments smart, etc. Mm. Et dans cette démarche-là, ce qui est intéressant pour nous en tant qu'éditeur, c'est du coup c'est de repenser un petit peu nos technologies, nos algorithmes, pour s'assurer de pouvoir encaisser ces volumes d'informations. C'est là où l'enjeu est important pour les technologies d'aujourd'hui. Je vous vois réagir, Léonard Guitny, sur la notion de volume, de données, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En tant qu'éditeur également, on est également sur les mêmes problématiques. Il y a les problèmes de modélisation en tant que tel, et également à cette modélisation, toute la donnée qui devrait être exploitée demain et qui doit être, pour moi, il faut aussi s'attacher à traiter que le nécessaire également. Puisque aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à vouloir beaucoup de données, mais on ne sait pas forcément aussi laquelle on va exploiter. Donc tout ça, il faut cerner. Faut cerner tout ça pour ma part. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. On devait aussi aujourd'hui avoir à vos côtés Frédéric Sory, qui est directrice générale adjointe d'UNSEM, donc un aménageur, un donneur d'ordre, etc., qui notamment devait venir nous présenter le projet Villeport que M. Rossignol a évoqué en accueil tout à l'heure. Et en fait, elle arrivait avec une posture d'ouverture et de questionnement plus que de certitude, parce que ce projet, et j'aimerais que ça nous serve peut-être un peu de fil rouge aussi, on est à la Grande Motte, on a un projet très concret, ce projet il a été lancé sans BIM au départage, il a été lancé en conception, en consultation, etc., sans intégrer de notion de BIM, d'accord ? La phase exécution, le démarrage des travaux est aujourd'hui programmé à l'échéance fin 2021, début 2022. Et à ce stade, notamment sous l'impulsion de la collectivité et sous l'impulsion aussi des différents prestataires avec lesquels elle travaille, Frédéric Sory a enclenché un questionnement et un intérêt justement sur en quoi demain ce BIM infrastructure pourrait, moi, en tant que donneur d'ordre, maître d'ouvrage, et on va commencer à parler des maîtres d'ouvrage parce que sans eux, pas de projet, entre guillemets, en quoi ce BIM, et donc je vous renvoie un peu la question, on est sur du très concret, en quoi ce BIM infrastructure demain, moi, en tant que maître d'ouvrage et aménageur, va me permettre d'améliorer un processus projet en termes de délai, de planning, de coordination des acteurs. Voilà, première question simple. Je vais toutes les dire, il y en a deux ou trois vraiment principales, donc soyez attentifs, aussi vous également, mais la responsabilité sur leurs épaules, on se calme. En quoi aussi ce processus BIM sur mon projet d'aménagement infrastructure demain va peut-être m'apporter plus de rentabilité, d'efficience financière, mais aussi d'efficience en termes de délai, de coûts, etc. Deuxième question, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, et finalement, globalement, pourquoi moi demain j'ai intérêt à intégrer du BIM infrastructure dans ce projet aussi au profit des futurs habitants, utilisateurs. Est-ce que ça peut aussi servir après aux utilisateurs et aux utilisateurs de l'infrastructure, habitants, entreprises, les mobilités, etc., etc. Voilà. Donc même si Frédéric Sory n'est pas avec nous aujourd'hui, je voulais installer ce sujet. Globalement, si je m'adresse à vous, Jérôme Parzy, la notion d'efficience, la notion de gain, de coût, etc. Est-ce que on en entend parler dans le BIM bâtiment. Est-ce que c'est le cas aussi sur du BIM infra et pourquoi ?
Oui, bien sûr, on retrouve le même principe que le BIM bâtiment. En fait, la création de la maquette numérique dès le début du projet nous impose de rentrer plus rapidement dans le projet. On est obligé peut-être de rentrer un peu plus dans le détail de la conception, dans la troisième dimension. Donc voilà, déjà, ça c'est un premier point, peut-être plus de précision au niveau de la conception. Ensuite, cette maquette est transférée au fur et à mesure des missions de maîtrise d'œuvre, hein, selon la loi MOP. Et ensuite, cette maquette est transférée à l'entreprise qui, elle, va la retravailler. Donc on a vraiment un outil qui va évoluer pendant toute sa phase de vie, toute la phase de conception, toute la phase exécution de chantier, et ensuite qui va permettre de récupérer toutes les données en phase réception, en phase plan de récollement, etc. Donc on va récupérer toutes les données pour ensuite être transmise au maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, au final, va voir évoluer sa maquette au fur et à mesure de sa vie et va la récupérer, au final, un objet fini et bien abouti avec toutes les données, que ce soit le type de bordure, le type de tuyau, le type de luminaire, et pourquoi pas après évoluer sur une maquette numérique dynamique. Ça, c'est encore un autre débat. D'accord. Mais voilà, donc ça permet d'avoir un outil de gestion ensuite, après, gestion, exploitation, maintenance pour son ouvrage ultérieur. Oui, exploitation, maintenance. Paul Nativel, sur l'exploitation, maintenance, c'est une question qu'elle souhaitait vous poser finalement, comme elle est en démarche d'interrogation et d'apprentissage globalement sur, alors je ne parle pas d'elle, je parle évidemment de la SEM, hein, évidemment, sur le BIM, infrastructure. Des enjeux en matière pour les maîtres d'ouvrage, d'exploitation maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend dire qu'en phase conception, réalisation, le BIM, c'est plutôt bien compris, intégré et de plus en plus pratiqué. A priori, au niveau de l'exploitation et maintenance des ouvrages, qu'ils soient bâtiments, mais aussi infrastructures plus complexes, le bas blesse encore ? On va dire qu'on est tout le monde est un peu dans l'évolution au niveau de la démarche BIM, donc il blesse encore, oui, parce qu'il y a encore un manque de connaissances, il y a un manque aussi de définition de la part des maîtres d'ouvrage des réels besoins qu'ils peuvent avoir au niveau de l'exploitation maintenance. On a aussi des problématiques qu'on peut rencontrer sur le fait que la partie exploitation n'est pas forcément prise en compte dans le début du projet. Même si en phase conception, on va avoir un cahier des charges par rapport à l'utilisation du bien derrière, mais la partie... Ça veut dire que, par exemple, dans une consultation, un dossier de projet, on est encore sur du court terme et pas encore avec une vision long terme du BIM, c'est ça, si je résume ? Alors, disons qu'aujourd'hui, le BIM, il démarre vraiment au niveau infrastructure. Dans le bâtiment, on rencontre les mêmes problématiques. Mais c'est vrai qu'on a un besoin de définition d'un cahier des charges utile pour pouvoir réaliser une maquette numérique qui soit exploitable derrière dans la gestion exploitation maintenance. Donc c'est le rôle qu'on a au niveau des bureaux d'études et en tant que BIM manager également, de pouvoir accompagner, conseiller les maîtres d'ouvrage dans cette réflexion et dans, enfin, tout simplement pour avoir une maquette qui soit utile, quoi. Ça sert à rien de faire du BIM ou de la 3D qui soit pas, qui soit surdimensionné au niveau données et au niveau modélisation pour que derrière on ne puisse soit pas l'exploiter parce qu'elle a été mal conçue, soit surchargée et qu'il soit problématique dans leur logiciel. Du BIM utile. Alors on va commencer à aborder quelque chose d'important parce qu'on est un peu dans l'esprit aussi du retour d'expérience, mais un peu un méta-retour d'expérience avec vous cinq, mais pas seulement. On va aborder les points bloquants aujourd'hui, quels sont selon vous, on va partager un peu vos points de vue sur qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque, quels sont les leviers de progrès intéressants à envisager. Et donc pour cela, on va se connecter, hein, parce que depuis tout à l'heure, ils nous écoutent, on va se connecter avec Hervé Albou et Lionel Henry. Si vous êtes bien avec nous, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Alors, activez vos micros, ils sont peut-être coupés. Connexion. Hervé. Voilà. Hervé, bonjour. Vous allez bien ? Merci d'être avec nous. Lionel Henry, bonjour également. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas, Lionel. Votre micro est coupé. On va commencer avec Hervé. Alors, Hervé... vous êtes président de Novimage, vous êtes consultant BIM et vous connaissez bien le sujet de l'infrastructure.
Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, hein, vous avez pu suivre certainement sur le stream YouTube les premiers échanges. On a évoqué les points bloquants aujourd'hui. On a commencé aussi à parler des maîtres d'ouvrage. Quel est votre point de vue sur l'état des lieux du BIM infrastructure aujourd'hui et sur quel point des progrès sont à envisager? Alors oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Là, vous m'entendez bien là? Très bien. Oui, donc j'ai suivi, bonjour à tous et à toutes, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges jusqu'à présent, parce que si on a parlé longtemps du BIM bâtiment, et on en parle encore beaucoup en France, ne serait-ce qu'avec la cérémonie des BIM d'or qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'était le 21, c'était cette semaine d'ailleurs, hein. On est en plein dans la semaine, des BIM d'or, semaine, oui, tout à fait. Voilà, et on avait tendance à parler un petit peu moins du BIM infra, ce qui est quand même passablement dans... Enfin, de parler des infrastructures, c'est quand même passablement dommage, parce que, comme le rappelait un des intervenants tout à l'heure, sans infrastructures, on n'a pas de bâtiment, puis sans bâtiment, les infrastructures sont un peu seules. Il ne faut pas oublier que les infrastructures, ce sont aussi, ce ne sont pas que les réseaux, ce ne sont pas ça, ce sont aussi les ponts, les tunnels, le rail, ce sont aussi plein d'éléments qui sont en fait des éléments, c'est dans le terme, hein, qui sont des éléments structurants sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui bloque selon vous quels sont les principaux points de... J'ai dit bloquant un peu volontairement, mais... Qu'est-ce qui freine un peu le développement du BIM infra? Aujourd'hui, il n'est pas tant sur les pratiques en tant que telles. Enfin, on a la même problématique de processus BIM que le processus collaboratif qu'il faut bien séparer de la maquette numérique. La problématique aujourd'hui, elle est autour des formats d'échange, de l'interopérabilité. On a évoqué le SIG qui a un format d'échange. Et quand on parle de SIG, on a la partie SIG 2D, la partie SIG 3D. On y reviendra, je crois, un petit peu plus tard. Quand on parle d'infrastructure, dans le domaine des infrastructures, la modélisation 3D, c'est quelque chose qui est maîtrisé depuis longtemps déjà. Et dans le bâtiment, c'était aussi quelque chose qui était maîtrisé. C'est les manières de travailler qui ont énormément évolué, c'est les outils qui ont évolué. Mais aujourd'hui, on a le véritable frein, il est à la fois culturel sur travailler ensemble, travailler en complémentarité ensemble et pas simplement de manière juxtaposée. Ça, on sait déjà. C'est encore compliqué, ça. C'est encore compliqué, ça, travailler ensemble, pardon. De fichiers qui soient ce qu'on appelle interopérables. C'est-à-dire, j'envoie mes fichiers à quelqu'un qui gère un bâtiment, j'envoie mes fichiers d'infra, je suis capable de les mettre bout à bout. L'exemple le plus marquant que je pourrais prendre là-dessus, c'est la construction d'une ligne de métro, quoi. On a à la fois une partie infrastructure et on a à la fois une partie gare. Alors certes, on a un savoir-faire en France sur le rabotage des quais, mais il vaut mieux que ce soit bien en face les uns avec les autres et qu'il y ait un véritable travail collaboratif, ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Donc le frein, il est à la fois culturel et il est à la fois technologique, mais le projet MAG, d'entre autres, travaille là-dessus de manière très efficace. Est-ce que c'est plus compliqué, parce qu'on parle d'infrastructure et qu'on se dit, on le disait tout à l'heure, plus de spécialités, d'intervenants, etc., que dans le BIM bâtiment, finalement? Non. Non, c'est pas plus compliqué. Dans un bâtiment, vous avez aussi de multiples intervenants. Donc, non, c'est pas plus compliqué dans l'absolu. C'est la volonté de travailler ensemble et travailler ensemble avec un objet partagé qui est la maquette numérique. Et c'est ça qui est nouveau en tant que tel. C'est pas la manière de travailler. On va pas changer fondamentalement la manière de construire un pont. On va changer la manière de la représenter et de la représenter en base de données. Et puis la base de données derrière, elle est quand même essentielle. On a parlé d'exploitation, il était question d'exploitation et maintenance tout à l'heure. C'est vrai que c'était déjà vrai pour les plans auparavant, mais si on n'a pas une base de données aujourd'hui qui est tenue à jour, il n'y a aucun intérêt d'avoir une maquette numérique si elle n'est pas tenue à jour. Merci Hervé. Je vais maintenant, s'il est avec nous, poser la même question à Lionel Henry. Lionel, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Lionel. Alors, je rappelle, hein, rappelez-nous qui vous êtes, Lionel. Vous travaillez pour Esri, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, je suis chez Esri France depuis 3 ans et je m'occupe de la partie convergence entre le BIM et le SIG. Et Esri est éditeur d'un logiciel système d'information géographique. D'accord. Donc, la convergence BIM et SIG, finalement, c'est ce qui transforme un BIM classique en BIM enrichi de données géolocalisées, géospatiales, c'est ça, etc. Alors, ce niveau de complexité du BIM infrastructure aujourd'hui, quel type de problématique il apporte pour développer, pour que le BIM infrastructure se déploie au même rythme, peut-être à moyen terme, que le BIM bâtiment? Comme l'a indiqué Hervé Albou, aujourd'hui, l'intérêt est de pouvoir partager des informations qui proviennent d'un BIM infrastructure
qui décrit des objets, donc des ouvrages d'art et des réseaux, dans un espace géographique, puisqu'il y a dans le territoire une interconnexion entre les informations du BIM infrastructure, pont, tunnel, réseau, des bâtiments, donc le BIM bâtiment, et l'environnement global de la ville, du territoire ou du lieu géographique. L'intérêt d'avoir un BIM infrastructure décrit interopérable est de pouvoir l'insérer dans un contexte géographique. Quand on construit un pont, quand on vérifie la qualité d'un réseau, il y a des impacts, ou il y aura des impacts sur l'environnement et tout ce qui se passe autour de ce réseau. On a aujourd'hui des normes environnementales qui sont ce qu'elles sont, en tout cas il y en a beaucoup. Quand une route est construite aujourd'hui, il y a des constructions où il y a une étude d'environnement avant de construire la route, pour savoir quel sera son impact. Et l'avantage d'avoir ce BIM infrastructure, c'est de pouvoir prendre ces informations, de gérer les mises à jour, en effet. Une infrastructure vit 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, et de regarder et d'analyser son impact dans l'environnement. Alors, ces compétences spécifiques là, à l'infrastructure, si j'ai bien compris, des données environnementales, de géolocalisation, géospatiale, vous nous disiez tout à l'heure, est-ce que ces compétences-là, les acteurs, entre guillemets, j'ai envie de dire, importants ou à l'impulsion des projets comme les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre, les architectes, etc., est-ce que ce sont des compétences qui font partie de leur champ de compétences aujourd'hui? Alors, pour développer de l'infrastructure. Pas forcément. Néanmoins, ce dont, depuis quelques années, on travaille chez Esri France avec des maîtrises d'ouvrage où on les accompagne dans la description des cahiers des charges et on insiste sur la géolocalisation des informations qui vont être portées, mises dans un processus BIM. On peut travailler sur un bâtiment ou sur l'infrastructure et devoir simplement créer ce jumeau numérique sans mettre ce qu'on appelle des outils ou des positionnements de ces objets. Naturellement, notre objectif est que ce BIM infrastructure soit de facto géolocalisé. J'aurais dû être à la grande botte aujourd'hui, désolé, je peux y être, mais il y a autour de la table une personne de la société Géomensura et on collabore encore avec des BIM qui sont infrastructures créées par leur logiciel sur des projets qui sont récupérés parce que géoréférencés. Ce qui veut dire qu'il y a des outils qui permettent de réaliser des travaux, de générer des modèles, de les travailler, d'autres outils comme le système d'information géographique qui va récupérer ces informations sans aucune modification, sans modification technique des objets, pour ensuite les insérer dans le contexte géographique. On en a au début du BIM infrastructure, même si le BIM existe depuis très longtemps, mais on voit aujourd'hui que les outils sont disponibles pour que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre puissent d'une part regarder en quasi temps réel l'évolution des travaux, ça peut être la construction d'un ouvrage d'art ou alors la réfection ou la modification de l'existant, et ensuite de pouvoir exploiter ces informations dans une base de données unique. Unique, partagée, collaborative, etc. Merci beaucoup Hervé Albou et Lionel Henry. Je reviens vers vous tout à l'heure. On va poursuivre ce que vous venez de dire. Je suppose que ça va aussi faire réagir nos autres témoins. À tout à l'heure. Hein. Je me remets sur l'écran. Merci. Principal. Merci. Hop. C'est assez interopérable tout ça finalement, ça marche plutôt bien, excusez-moi, il fallait que je le fasse. L'interopérabilité, on en a parlé ensemble, Léonard Guitny, en préparant cette table ronde aujourd'hui, ça coince quand même encore à certains niveaux aujourd'hui. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, du point de vue éditeur, entre guillemets, il faut toujours se replacer dans le contexte. L'interopérabilité, on y travaille, mais comme on le disait tout à l'heure avec Mine, en fait, on a besoin de définir
le même langage. C'est, effectivement, c'est pour une bonne interopérabilité, faut que les objets, que si quelqu'un appelle un tuyau, ça soit un tuyau et qu'on soit en fait en mesure de lire la même chose, de s'échanger la même chose. En plus des modèles 3D. Les modèles 3D, ce n'est pas forcément la problématique d'échange en tant que tel. Mais c'est vraiment de bien se comprendre. Et puis, un tel qui va demander une information, qu'elle soit structurée de la même façon, qu'on sache en fait, qu'un élément il est la même chose en propriété. Et je reviens sur Mind, puisqu'en fait, c'est le travail aussi qu'on fait. Et après, vous participez aussi à Mind, finalement. Hein, mais, bah, oui, nous, je mentionne le groupe Géodésia. Oui, évidemment. On travaille dans Mind aussi. On expérimente aussi la donnée, comment elle va être intégrée et renvoyée pour qu'on parle de la même chose, que les informations soient rangées au bon endroit. Si les informations sont rangées au bon endroit, personne de chez Esri, de chez Allplan ou tout autre éditeur de logiciels puisse lire la même chose. Et ça, un peu en transparence de l'utilisateur qui, lui, en fait, renseigner de l'information, il veut, il va certainement en faire, mais il faut que cette information-là soit rangée au bon endroit. Mais est-ce que c'est possible finalement de se dire, aujourd'hui, c'est bon, je veux mener un projet en BIM bâtiment, je sais que les objets sont codifiés, sont bien détaillés, etc. Est-ce que c'est pas un vrai point bloquant, ça, aujourd'hui, de se dire que toutes les données et les objets des projets infra sont pas encore codifiés? Et si oui, il y a une échéance qui est annoncée sur la finalisation de ces travaux? Là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourront répondre, mais je pense qu'on est en termes d'expérimentation déjà sur l'infrastructure au niveau pont et route. Donc, je pense que chez Allplan, vous avez aussi... Écoutez, on est en laboratoire ouvert sur l'idée de faire améliorer la classification qui est l'IFC aujourd'hui. Alors, n'oublions pas que l'IFC est aujourd'hui une norme que l'on essaye d'établir pour pouvoir être interopérable à travers les logiciels. Et ce que très souvent les utilisateurs oublient, c'est qu'en tant qu'éditeur de logiciels, nous avons tous des algorithmes totalement singuliers et que dans cette démarche-là, donc, nous n'avons pas forcément un langage immédiat pour pouvoir échanger. Donc, trouver une plateforme qui nous aide aujourd'hui à échanger avec une certaine conformité, c'est oublier de dire que dans l'IFC, on ne transmet pas aussi notre savoir-faire algorithmique. Mmh. On ne fait que catégoriser, comme on dit, un certain nombre d'objets, y connecter donc des métadonnées éventuellement, et dans l'idée du big data que je vous ai évoqué tout à l'heure, on n'a pas forcément une traçabilité de tout l'historique temporel en fin de compte de cette information. Et pour ça, donc, on va s'appuyer sur d'autres technologies, donc notamment des plateformes collaboratives à travers le cloud, qui nous permettront justement de compléter ce manque pour chaque éditeur. L'open BIM, c'est ça? Nous sommes effectivement dans cette idée de l'open BIM. C'est un élément de l'open BIM. L'open BIM, ça va bien plus loin que ça encore aujourd'hui pour moi, puisque faire de l'open BIM, c'est me donner la possibilité de travailler avec Esri. Je veux dire, si j'ai besoin de récupérer un modèle de terrain chez Allplan, on est capable de le faire, mais pas forcément sur le sur le modèle de l'IFC. Je vais prendre du Land XML par exemple, donc c'est un format d'échange. J'ai besoin de travailler avec d'autres logiciels, quels que soient les formats, qui soient juste graphiques, avec ou pas de l'intelligence attributaire, je ne dis pas l'intelligence donc de l'objet. On a beau évoquer la notion d'objet aujourd'hui, mais il faut savoir que l'objet est associé à la technologie qui va l'utiliser. Donc, et ça, très souvent, on l'oublie. Et j'aime bien le rappeler, donc, en tant qu'évangéliste BIM, vous inquiétez pas, je ne suis pas en mode gourou, mais il est important, comme on dit, de souligner jusqu'où la technologie a ses limites et comment peut-on aujourd'hui s'assurer de trouver des pistes de collaboration efficaces. Voilà. D'accord. Alors, on parle d'efficacité, on a parlé aussi tout à l'heure un peu de compétences, et vous parliez de savoir-faire avec Hervé Albou également. Malheureusement, le temps passe très très vite. Je vous l'avais dit, on s'est dit énormément de choses très intéressantes, on aurait pu faire quasiment un livre blanc avec tout ce qu'on a produit comme contenu. En 5 minutes, on va faire un tour de table. Je vous demanderai de m'expliquer aujourd'hui, selon vous, quel est le principal enjeu à traiter, quelle est la principale problématique à aborder et par qui peut-être aussi, pour que le BIM infra
atteigne sa vitesse de croisière, devienne plus accessible demain pour l'ensemble de la filière, parce que là, on a beaucoup de gens qui viennent se dire aussi, ben moi, est-ce que ça va me concerner demain ou pas, le BIM Infra ? Est-ce que j'ai intérêt, en tant que bureau d'études, entreprise, etc., à m'y intéresser ? C'est un peu compliqué comme question, mais alors, si quelque chose sur lequel vous souhaitiez mettre vraiment le doigt, particulièrement, Jérôme Parzy. Alors, moi, je vois 3 points là-dessus. Déjà, le premier point, c'est l'impulsion du maître d'ouvrage. Mmh. Déjà, si on n'a pas de maître d'ouvrage qui souhaite travailler en BIM, on ne travaillera pas en BIM. Donc, il faut peut-être les inciter, peut-être à nous d'aller prêcher la bonne parole, parler de gourou, peut-être que... Voilà, c'est peut-être l'idée... Évangélisateur, quoi, voilà, on va dire. Hein, de leur expliquer, de désacraliser un peu ce que c'est que le BIM. Le deuxième point, je vois le frein de la formation. Ah, les compétences, on en parle beaucoup à chaque fois qu'on parle du BIM. Formation, choix des logiciels, tout ça, c'est un peu lié. Ça veut dire que des formations au BIM, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Et en BIM infra, il y en a aussi, je suppose. Il y en a beaucoup, beaucoup en bâtiment, mais très peu aujourd'hui en infra. Ah ok, d'accord. Et le troisième point que je vois, c'est aussi penser à nos collaborateurs. Il faut essayer de les passionner, puisque là, on est vraiment sur un changement de paradigme. On peut faire un peu le parallèle qu'on avait à l'époque entre le passage de la table à dessin à l'informatique. Là, on est en train de vivre un peu la même chose entre le passage de l'informatique classique à l'établissement de la maquette numérique. D'accord. Et il faut que nous, on arrive, bureau d'études, à intéresser nos collaborateurs, à les passionner et à les faire rentrer dans ce système, parce que sans eux, on n'y arrivera pas. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme Parzy. Lionel Guitny, aussi efficace que ça, parce que j'aimerais qu'on puisse quand même donner la parole aussi et pouvoir répondre à quelques questions éventuellement de la salle. Bon, mais je rejoins, je pourrais faire très vite en disant que je rejoins complètement ce qui est merci, dit précédemment. Merci. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt avec mon ancienne casquette en bureau d'études, c'est vrai que l'impulsion de la maîtrise d'ouvrage est importante, donc je pense qu'il y a de la compréhension, enfin de l'éducation entre guillemets, sans vexer les et de l'accompagnement aussi. On a beaucoup utilisé le terme accompagnement voilà, de l'accompagnement. Après, pour moi, il y a aussi une démarche humaine aussi au niveau des bureaux d'études ou des entreprises de travaux publics, donc qui est à faire. Je pense que c'est une vraie problématique RH. Et puis après, là, c'est plutôt ouvert, mais je pense que les nouvelles générations qui sont où ça leur est déjà inculqué, je pense que ça va être moteur. Je vois, enfin, les écoles qui sont présentes. La collaboration, ça, c'est quelque chose de naturel chez vous normalement, hein, c'est ça. Bon. Et nous, quand on intervient aussi dans les écoles, on essaye de véhiculer ça, parce que c'est pour que ça fasse un petit peu son bout de chemin, et qu'à un moment, il y a une personne qui arrive et dit, bah ouais, moi, je travaille comme ça, et je travaille pas comme avant. Je pense que j'ai bon espoir là-dedans, en tout cas. Merci. Paul Nativel, principal enjeu, selon vous, à aborder, à travailler demain pour faire avancer le BIM Infra ? Alors pour moi, pour faire avancer le BIM Infra, il y a une vraie modélisation de tous les réseaux existants qui doivent être lancés. Donc ça représente un coût pour les maîtres d'ouvrage qui n'est pas anodin. Vous voulez dire quoi, par exemple, de ici, toute la grande mode, quoi, de l'existant. Faudrait tout modéliser. Voilà. D'accord. Parce qu'en fin de compte, quand vous avez un projet qui soit en bâtiment ou en... Volume de données, je confirme. Pardon. Oui, non, tout à fait. On est complètement dans le, on va dire, la vraie démarche BIM, c'est-à-dire de créer une maquette de base pour pouvoir après derrière, avec toutes les modifications qui peuvent être apportées, pouvoir après derrière étudier cette maquette et faire avancer le projet par le biais de l'environnement qui a été... Dans un environnement du coup qui est maîtrisé, voilà, tout à fait. Modélisé, etc. D'accord. Alors après, je rejoins mes confrères, c'est vrai que ça passe par un vrai accompagnement auprès des maîtres d'ouvrage, des mairies, des collectivités, pour arriver à leur démontrer le gain qu'ils peuvent avoir par rapport à cette méthodologie de travail. Et jusqu'où ça peut aller si elle est bien définie, on va dire, au départ, pour le reste de la vie de l'infrastructure. Merci beaucoup. Alain-Henri Bellec, oui. Pour vous, à l'IDRIM, peut-être spécifiquement sur vos corps de métier ou plus globalement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Je dirais vers les maîtres d'ouvrage, deux choses qui me paraissent fondamentales. Qui étaient vrais avant et qui le sont toujours. On ne lance pas un nouveau projet ou même un projet d'entretien de maintenance d'infrastructures sans avoir travaillé un vrai programme. Et dans le BIM,
en étant accompagné par des spécialistes, quoi. On ne dit pas dans son cahier des charges je veux du BIM. Parce que on aura. Ça existe, hein. Oui, ça existe bien, beaucoup, souvent même. Mais donc il faut être accompagné pour. On ne fait pas du BIM. Le BIM doit, si je résume, doit répondre à. C'est un moyen d'atteindre un objectif. Complètement. Une stratégie, c'est ça. Complètement. Hein. Et ce qu'a dit tout à l'heure Léonard est complètement vrai. À partir du moment où on dit je veux du BIM, on va avoir une surenchère d'informations, de data qui vont rendre les choses ingérables. Donc il faut bien se dire, je veux quel BIM, je veux quoi. Et par contre, pour les maîtres d'ouvrage, je pense qu'il faut leur faire passer comme idée, c'est qu'enfin, ils sauront de quoi ils sont propriétaires et ce qu'ils ont à gérer. Aujourd'hui, c'est caricatural, il y a eu une mission du Sénat sur les ouvrages d'art. Les collectivités ne savent même pas quels ouvrages d'art elles ont en propriété. Donc vous imaginez bien qu'elles ne savent pas dans quel état elles sont. Oui. Hein, ils D'accord. sont, au moins. Donc là, il y a, alors qu'avec quelque chose, avec un BIM travaillé, parce que je dirais le premier pas, ça va être de faire du BIM dans les travaux neufs, mais je pense que comme le bâtiment y arrive, l'intérêt, c'est que le BIM aille aussi sur l'existant. Hein. Ouais, tous les projets de réhabilitation, ça sera une deuxième phase. Hein, je le verrai peut-être pas. Ça. Un vaste chantier, hein, excusez-moi. Gilbert, comment dire, les enjeux, on en a déjà pas mal abordé. Peut-être, je vous oriente un peu sur les enjeux pour améliorer l'interopérabilité demain au service du BIM Infra et peut-être une autre idée que vous souhaitiez partager, mais j'aimerais qu'on reparle demain, aujourd'hui. Voilà, comment faire progresser cette notion d'interopérabilité ? Alors, entre les données, mais on parle aussi d'interopérabilité entre les acteurs. Alors, pour moi, en premier lieu, c'est un changement culturel, puisque le bonhomme que je suis de 50 ans a vécu l'époque du rotring et la planche à dessin, bien entendu. Donc là, on n'était pas encore à l'époque du BIM, mais tout simplement, on s'asseyait sur les compétences humaines pour pouvoir réaliser justement un projet. Et passer donc... à cette étape, à l'ère du BIM aujourd'hui, c'est un engagement personnel d'être convaincu justement du bienfait d'un concept. Je rappelle aujourd'hui que le BIM n'est pas une norme aujourd'hui établie et on est tous à s'interroger justement donc à mettre en place un processus qui fonctionne, puisse fonctionner correctement. Et là-dessus, effectivement, je vous rejoins en ressoulignant que s'engager sur le BIM, c'est d'être convaincu, comment dire, du bienfait de ce processus. Identifier les logiciels qui vous permettront de réaliser justement vos missions et par rapport au volume d'informations qu'on aurait à traiter, s'assurer des performances. Et en tant qu'éditeur, nous sommes soucieux effectivement de cette problématique. Donc, et vous y travaillez avec vos collègues sur l'optimisation des volumes, etc. C'est un sujet... Léonard Guitny dit oui, a priori. Je peux vous le confirmer puisque là, sur notre prochaine sortie de version 2021, nous avons retravaillé complètement à nouveau, comment dire, le cœur même de notre logiciel. Et nous déclarons aujourd'hui des performances juste hallucinantes. Je dirais, on a cette capacité quasiment, à, pas dire à faire du SIG, mais à engendrer autant de volumes d'informations à l'échelle donc, d'une ville, telle que le SIG, avec des informations très détaillées. Donc, j'aime bien prendre cette image un peu cosmologique. Je veux dire que quand vous êtes dans le système solaire, se déplacer de Pluton à la Terre, arriver jusqu'ici, donc à la Grande Motte, vous imaginez donc, le chemin que vous parcourez. C'est beaucoup d'informations qu'on vient à traiter, et c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à travers le plan. Voilà. Merci beaucoup. On va se connecter, on va se reconnecter avec Hervé Albou et Lionel Henry. On va commencer par Lionel Henry, une fois n'est pas coutume. Lionel Henry, est-ce que vous pouvez, par rapport à ce qui a été dit, sans forcément répéter des idées déjà exprimées, certainement des compléments à apporter sur, selon vous, c'est quoi les clés demain pour faire avancer le BIM infrastructure ? Est-ce que la question peut être posée parce que j'ai switché entre le YouTube. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah oui, le multi-écran, voilà, on est tous. La question finalement, le fil rouge de cette conclusion, c'est quelles sont les clés, selon vous, principales pour accompagner, accélérer le déploiement du BIM infrastructure aujourd'hui ? Les clés sont à plusieurs niveaux. La première, c'est une description normalisée des différentes infrastructures. Donc c'est pour ça qu'il y a le projet MIND, cette association. Je ne vous l'ai pas dit parce que Lionel Henry aussi participe à MIND. Pardon.
Et la clé, c'est d'abord, au niveau technique, logiciel, d'avoir une normalisation. Sans normalisation, on aura des écueils sur ensuite l'utilisation, l'optimisation de son infrastructure. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est en cours, si j'ai bien compris. C'est en cours, ce travail sur la normalisation, non ? Oui, tout à fait. Il y a des normes ISO qui existent, des normes ISO qui sont en train d'être mises en place, entre autres par le projet MIND et à travers d'autres organismes qui vont définir et proposer d'abord ces normes. D'accord. Ces normes seront ensuite utilisées par les différents éditeurs de logiciels et de solutions pour réaliser leurs différents travaux. Idée suivante, pardon. Et la suivante, on en a parlé déjà plusieurs fois lors de cette conférence, c'est l'aspect humain. Qui dit un passage au BIM infrastructure, l'utilisation de plusieurs logiciels pour arriver à un résultat commun, implique un changement. Donc la réticence au changement existe, parfois la résistance aux nouvelles technologies. Donc il y a une partie en effet importante, voire primordiale, sur l'impact du BIM infrastructure, que ce soit sur la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, de ces impacts et de qui fait quoi et qui va prendre, qui aura les avantages, quels seront les avantages et comment on les aborde. Ça explique ou ça demande, pardon, énormément de communication sur les avantages avant de mettre en place un BIM dans le cadre du processus BIM en fait. D'accord, très bien. J'avais encore une question, mais je vais m'auto-censurer pour respecter le timing. Il est déjà 20. Et je vais enfin poser la même question à Hervé Albou, en étant un peu directif, Hervé, parce que quand on a préparé ça, on a partagé, vous m'avez partagé une idée intéressante, Hervé. C'est finalement, on a beaucoup parlé des travaux de l'IDRIM qui sont collaboratifs, collectifs. On a beaucoup parlé, alors encore plus de Mind, qui est voilà, des acteurs, de nombreux acteurs experts dans leur domaine, qui se réunissent, qui collaborent, qui échangent et agissent pour faire avancer le sujet de l'infrastructure. Est-ce que cette logique, finalement, parce que là, on est dans une région donnée, dans une ville donnée, avec des projets qu'on a évoqués, est-ce que cette logique, elle existe aussi à l'échelle des territoires, Hervé ? Alors, oui, elle existe à l'échelle du territoire. Et Arnaud, tu fais bien de poser la question là-dessus, parce que pour résumer sur tout ça, le BIM aujourd'hui, c'est juste une question de bon sens. Certes, on a des problèmes, des questions d'interopérabilité qui sont en train de se régler. On a un tas de choses qui se font sur le plan national et international. Et Mind est un acteur majeur sur le plan international, puisque tu évoquais tout à l'heure les pays d'Europe, les États-Unis, mais c'est aussi et beaucoup les pays d'Asie, c'est la Chine, c'est la Corée, c'est tous ces pays-là. Et là, il se passe quelque chose sur le plan international et la France est un acteur majeur sur le sujet. Donc, laissons-les faire, on travaille sur la normalisation. Mais le BIM, il va avancer. On peut effectivement évoquer l'idée, comme ça a été dit plusieurs fois, Alain l'évoquait tout à l'heure, mais les maîtres d'ouvrage, il faut que les maîtres d'ouvrage demandent. Ça ne suffit pas, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Si ce n'est pas les maîtres d'ouvrage, c'est avec les entreprises. C'est pas les entreprises. Il faut que tout le monde travaille ensemble, il faut que ça se fasse sur le terrain. Il y a un niveau aujourd'hui d'information sur le BIM, les maquettes numériques, les normes, tout ce qu'on veut, qui existe sur le plan national et international, qui est absolument indispensable. Mais moi, je constate, étant un acteur de terrain très, très proche du terrain, qu'à cette échelle-là du terrain, il y a un plafond de verre entre le national et le terrain, et que les informations ont du mal à percoler sur le terrain. Concrètement, vous faites quoi, vous ? Les entreprises ont du mal à travailler avec ça. Vous faites quoi, vous, Hervé, concrètement ? C'est de faire des réseaux d'échanges et des réseaux de discussion au niveau du terrain. Alors, une initiative comme le Resvintum de Stinov, c'est une brique, si je puis me permettre le jeu de mots, c'est une brique sur l'avancée, sur la connaissance, qui va de région en région, et c'est déjà une bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, alors je vais parler pour ma paroisse, mais pas uniquement, c'est vrai qu'au niveau de la Normandie, puisque je suis originaire de la Normandie, installé en Normandie, on a mis en place un réseau de professionnels qui s'appelle le réseau BIM Normandie, vous voyez, on a fait quelque chose d'original, et que ce réseau-là, il regroupe des professionnels publics et privés qui viennent discuter, échanger des retours d'expérience, de bonnes pratiques. C'est un réseau informel qui se réunit plusieurs fois par an et qui parle des problèmes des uns et des autres.
et qui ça permet de retranscrire ce qu'il dit sur le national en l'appliquant sur le terrain et en touchant les problématiques concrètes sur le terrain. Est-ce que ces réseaux, ce réseau en l'occurrence, et est-ce qu'il en existe d'autres comparables, est-ce que ces réseaux intègrent et font participer aussi, parce que c'est un sujet qui a quand même été très évoqué, les acteurs de la formation, qu'elle soit initiale ou continue? Alors, oui, il existe un autre réseau qui fonctionne un petit peu sur le même modèle, qui est en région Rhin, Auvergne-Rhône-Alpes, avec lequel je partage régulièrement, parce qu'on a des points de convergence, bien sûr. Quand je disais que ça réunit des acteurs du terrain, ça réunit tous les acteurs du terrain. Ça va depuis des grands maîtres d'ouvrage, des majors, des petites entreprises. C'est l'éducation nationale, c'est le rectorat avec le recteur qui soutient directement, c'est l'université, c'est les écoles d'ingénieurs. C'est tous les acteurs qui sont peu ou prou concernés sur le sujet qui viennent échanger et présenter leur savoir-faire, qui laissent leur casquette à l'entrée de la salle et puis qui la reprennent en sortant ou leurs divergences en sortant. Et qui viennent faire leur propre retour d'expérience et les problèmes qu'ils rencontrent et les questions qu'ils se posent. Et ils partagent. C'est à ce niveau-là aussi qu'on... Ça, c'est un niveau qui est complémentaire de ce qui se fait par ailleurs sur le plan national. C'est utile pour que finalement l'infrastructure avance au-delà de ce plafond de verre. Merci en tout cas Hervé Albou, merci Lionel Henry. Je remercie également Jérôme Parzy, Léonard Guitny, Paul Nativel, Alain-Henri Bellec, Hervé Albou, je viens de le dire, et aussi Gilbert Millard. Merci pour vos interventions, vos témoignages, c'était vraiment très très riche. Écoutez, je préfère vous laisser la pause plutôt que les questions-réponses, sachant que pendant la pause, on peut faire les questions-réponses. Pendant les questions-réponses, on ne peut pas faire la pause. Donc vous êtes gagnant à faire les deux en même temps. Je vous retrouve dans 20 minutes, d'accord? Et puis, n'hésitez pas à aller à la rencontre de nos intervenants d'aujourd'hui. Merci encore pour cette table ronde.